Alors, bonjour à toutes, rebonjour à toutes et à tous, Michel Porte, directeur de Web TV. Je suis rue Roger Salengro, alors dans un magasin qui vient d'ouvrir il y a quelques jours, qui s'appelle Maison 1889 avec Madame Braque. Bonjour Madame Braque. Bonjour Michel. Alors, la Maison Braque, on connaît. Ça fait combien d'années que vous êtes d'Antelier à Caudry ? 1889. C'est le nom qu'on a choisi pour la marque, parce que c'est l'année de création de la maison de dentelle Braque. Alors pourquoi avoir voulu faire cette collection ? Alors, parce que on travaillait déjà en sur mesure. Hein, pour, et puis bon, avec Atelier Dentelle, j'avais déjà permis aux personnes d'acheter au mètre, chose qui ne se faisait pas trop avant. Et là, on s'est dit, vous savez, choisir une robe sur mesure, c'est pas toujours évident. Enfin, pour un grand événement, je veux dire un mariage. Quelque chose comme ça, les dames disent oui, je vais me faire une robe en dentelle. Mais il y a des personnes qui disent oui, mais combien ça va coûter, à quoi je vais ressembler, voilà. Bon, alors on s'est dit, pendant le confinement, n'est-ce pas, on a eu le temps de réfléchir. Oui. Et puis on s'est dit allez, on va essayer de lancer une petite marque de prêt-à-porter en dentelle de Calais-Caudry. Alors au début, cette marque devait être que sur internet, que sur le site internet. Mais oui, parce que on a un magasin, mais qui se trouve en zone industrielle, rue de l'Europe, hein, qui s'appelle Atelier Dentelle, en fait. Donc, on peut vendre et proposer notre prêt-à-porter dans ce magasin, mais on n'a pas de vraiment boutique réservée à Atelier Dentelle. Donc, réservée à Maison 1889, faut pas que je me trompe. Donc, on a eu la chance que Monsieur le maire de Caudry nous a proposé de nous installer ici, ce qui s'appelle une boutique éphémère, pour 2 mois. Donc, voilà. Alors, j'ai regardé un petit peu le site. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est, parce qu'on a souvent tendance à dire la dentelle, c'est rétro, mais c'est vraiment... vous avez tout modernisé. C'est-à-dire que, aussi bien le responsable de la collection... qui s'appelle Jérémy Dessin, que le couturier modéliste qui s'appelle Nicolas Henry, sont des jeunes personnes. Donc, ils n'ont pas envie de faire des vieilles robes en dentelle. Ils ont vraiment envie de mettre des choses pour des jeunes femmes ou pour des femmes, même si elles sont plus âgées, qui veulent porter des choses modernes. Hein. Et avec cette marque, vous revendiquez le Made in France et le Made in local, c'est vraiment Caudry. Tout à fait, puisque en fait, notre façon de travailler, c'est de travailler sur commande. Donc on a réalisé tous les modèles dans toutes les tailles, une fois, du 36 au 46. Et ensuite, on fabrique à la demande. Donc fabrication par Nicolas Henry. On s'engage à livrer les personnes sur 15 jours maximum. Donc ça veut dire que si vous voulez une robe pour ce week-end, c'est trop tard, il faut une petite quinzaine de jours. Sauf si elle est disponible déjà. À la bonne taille. Bon, du 36 au 46. Bon, après, même on accepte de travailler pour des plus grandes tailles, mais alors là, il faut nous contacter. Hein, parce que il faut adapter les patrons. Hein, tous les patrons sont faits du 36 au 46. Et après, il faut refaire le patron, quoi. Alors, on dit aussi que la dentelle, c'est cher, mais vous avez voulu adapter des prix un petit peu à toutes les bourses. On a vraiment des prix très calculés, hein, calculés au minimum. Bon, on a la chance, on n'a pas trop de charges de loyer, hein, on est à Atelier Dentelle, tout ça. Donc, on a vraiment fait le minimum. Alors, ça va, une robe, par exemple, ça coûte 330 euros. Le chemisier qui plaît beaucoup, là, le chemisier fait 300 euros. Bon. Après, on a des t-shirts avec des bordures de dentelle qui commencent à 90 euros. Voilà. Actuellement, et jusque la Saint-Valentin, donc cette semaine, on fait 14% sur tout ce qu'il y a dans la boutique. Voilà. Bonne promotion pour la Saint-Valentin. Voilà, c'est une promotion pour la Saint-Valentin. Voilà. Donc, vous êtes ouvert pendant 2 mois. Est-ce que après il y aura un après pour une boutique? Alors, c'est difficile de dire aujourd'hui. Hein. Ça va voir si la boutique trouve son public, ses clients. Hein. On verra. Bon. D'ailleurs, vous êtes bien relayé par M. le maire qui est dès qu'il y a un article. Tout à fait. Ça, c'est vrai qu'on est très... Vraiment, les commerçants sont très soutenus à Caudry pour tout ça. Quoi.
Bien, Madame Brock, merci de m'avoir reçu. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Alors, comme je vous dis à chaque fois, si vous n'avez pas de Facebook, vous dites bien à des amis de regarder ce soir. Ça sera rediffusé sur le www.ledirectdewebtv.fr et sur notre chaîne YouTube. Bonne journée à tous. À très bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci, Michel.